Salut YouTube, bienvenue sur Total War Remastered. On continue notre campagne avec le pont. On a plutôt réussi une bonne série de batailles défensives. On va essayer de poursuivre dans cette optique là pour aller chercher les villes qui nous manquent. Il en manquerait 6. Si on peut essayer d'aller repousser les Séleucides et taper directement à leur capitale, ça pourrait être pas mal. On a encore du chemin à faire pour aller jusqu'à Séleucie, mais bon, ça pourrait être un objectif cool à faire. Ils ont encore quelques villes par-ci par-là. Donc attention. Donc là on est parti, on a aussi une attaque à faire là pour essayer de dégager on peut pivoter, j'avais pas vu. Alors je vais voir si je peux prendre un autre Mercos ou pas. Un Pelta supplémentaire sera pas de refus, j'ai envie de te dire. Par contre, là, on peut tenter de faire tomber cette armée. Hein. Bon, ils ont quoi? Qu'est-ce qui va être chiant? C'est leur cavalerie, on peut vite la gérer, je pense. Les archers, on pourra les contrer. On a déjà vu là. On va tenter de dégager cette armée des cités grecques. Et là, si on la bat, si on gagne juste, l'armée est détruite. Et ça, c'est bien. Ah, une bataille face à la mer, ça c'est bien. Déjà là ça commence à bouffer. Oh, ils aiment pas trop ce qu'on leur envoie. On est en train de leur asmater leur armée, c'est bien. C'est bien, là le gros de leur armée est en train de se... On les désorganise, c'est cool. Pour le moment on n'a pas perdu un seul soldat, ils sont en train de perdre toute leur armée petit à petit, c'est bien. La cavalerie grecque est en train de se faire dépouiller par nos frondeurs. C'est puissant le frondeur, hein. Bon déjà on va pas se soucier des fuyards tout simplement parce que... Allez, une grosse charge sur leur cavalier grec. Là, on va les encercler totalement et les péter. Bon, on va faire reculer nos lanciers, c'est bien. Là, on va tenter une charge là-dedans. Maintenant, on va les focaliser sur leur général. Ouf. Voilà, malheureusement, les mercenaires Peltas, ça n'a pas suffi. On va reculer encore notre ligne de hoplite. Oh, j'ai oublié l'unité de mercenaires. Voilà le vrai visage du général ennemi. Il cherche avant toute chose à sauver sa peau. C'est bien, reculer, reculer. Ouh. Attention au général ici. Non, évidemment, tu viens là-dedans, je t'ai jamais rien dit. Reculez encore, allez. Vite, vite, vite. Oh, c'était chaud.
C'est quoi qui se barre? Oh non! Non, pourquoi vous vous barrez? Bon, tant pis pour eux. Oh, oh c'est bien là, bon. On va tenter une charge dans le dos ici. Oh, bien joué là. Là, il va y avoir un carnage. Oh la vache, là ça décime bien. En train de complètement partir en sucette là les hoplites. C'est bien. Un tir croisé là au moral, ça va pas leur faire du bien. Recule encore. Là on peut tenter une charge sur le flanc peut-être. Oh, par contre là ils ont pas aimé hein. Ah non, faudrait peut-être arrêter l'abus là, je veux bien que c'est des hoplites mais trois unités dessus non hein. Ouais bah, bien sûr. Ah bah quand même. Oui, bien sûr. Non, replie-toi, sors-toi de là. Bon, ça va. Le général a choisi la croisise et prend la fuite. Comment des soldats peuvent-ils se battre au nom d'un tel poltron? Alors mes peltas, là faut que je les ramène, ils servent à rien. Tu m'expliques pourquoi ils crèvent pas ces salauds de prix? Allez, caillassez-les. Parfait. Une autre unité qui tombe. Ah, il faut flanquer, il faut raser. Hein. Bon, ça y est, on les a eus. Là, c'est plié. On va faire un autre tir ici. C'était plus compliqué que prévu, mais bon, au moins on a réussi. Voilà, une armée des cités grecques anéantie. Il va falloir que je refasse un petit peu mes troupes. Elles ont bien souffert. Là, je vais refaire les troupes qui ont pris plus de dégâts.
Voilà, c'est pas mal. Et après, je pense qu'on ira, on va se mettre en route pour pour Rod. Je vais me mettre là avec mon armée. Toi, tu vas aller là-dedans. Je pense qu'un troisième général ne sera pas de refus. Là, avec ces deux-là, on va venir là. Comme ça, on va partir. On va aller en pioche, tiens. Oh, il y a une. J'ai vu une armée part passer, attention. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, il y a une. Oh, l'immense armée part là. Ouais, ça devient compliqué, hein. Quoi qu'ils ont pas une grosse armée certes, mais oula, ah, je vous dérange pas les partes. Parfait. On va reformer nos généraux également pour qu'ils aient plus de dégâts. Et non, tu ne me dis pas que les Macédonies vont s'y mettre aussi. C'est une plaisanterie cette focalisation là. À quoi tu me diras que je devais les attaquer à un terme. Oh, ils ont des piquets royaux. Oh, yo, yo. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Pourquoi vous venez tous me casser les couilles, sans déconner? Ouais, je pourrais tenter un débarquement à Byzance en vrai pour les emmerder. Il faudrait que j'ai un diplomate dans le coin aussi. Hein. Je vais faire un diplomate, j'ai pas le choix. J'essaie de négocier avec les Romains pour m'occuper des Macédoniens. Parce que là, ça commence à faire un peu beaucoup de monde. À un moment, j'aimerais bien avancer. Hein. Là, je vais faire une tour, par contre. Ah non, j'ai même pas les sous. Le prochain tour, je vais voir pour faire une tour si les parts sont pas arrivées. Donc l'armée Scythe se replie. Au moins, on verra ce qu'il y a dans le col, s'il y a quelque chose qui arrive. Alors, on va embarquer tout ce petit monde ici. Si je mets un pied là, est-ce qu'il y a des Mercos? Oh oui, il y a du bon Mercos là. Les embarquer, ils auront leur utilité. Je pose le siège, je vais pas m'embêter. Je vais prendre le Pelta juste pour l'assaut et on va voir comment ils réagissent les Augus. Par contre, en arrière, j'ai quasiment plus de défense, c'est ça que vous allez me dire. Là, c'est dégueulasse quand même pour la Macédoine. Qu'est-ce que tu veux? Puissions-nous mettre fin à ce carnage? Non, 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 non. Non seulement t'es allié avec tous ces gus, tous ces autres clampins en face, et tu veux que je te propose la paix? Non, mais t'as fumé, mon pote. Serviteur.
Alors, je vais tenter un move. Je suis votre serviteur. Paré à naviguer. À terre. Oui, puissant seigneur. Ah merde. Mouvement achevé. Bon, on va voir ce qu'ils font au prochain tour. Ah, et j'ai le parti qui arrive dans mon dos, c'est ça? Admettons que je lève le siège, est-ce que... Faudrait que je fasse le tour, mais ça va mettre tellement longtemps. J'emmène un général en renfort là-bas. Parfait. Je suis votre serviteur. Mouvement achevé. J'essaie de discuter avec les Macédoniens juste pour un traité commercial ou une connerie du genre. Alors, je vais faire un test. Que je gagne, mais de peu. Ils me disent défaite franche, hein. Bien sûr. Bon. Toujours aussi bien broken les auto-résolutions du jeu. Ouais, après, le problème que j'ai au moment, c'est que si je récupérais la statue. Ah, ils veulent pas me lâcher les parts. Sale prix. Alors, ils ont quoi? Ils ont juste leur ingénieur. Les deux là, ils vont être chiants, mais après, si on dégomme vite leur tireur, on est bien. Le seul allié que j'ai pour le moment, c'est les numides, mais je sais pas combien de temps ils vont tenir. Hein. C'est ça l'ennui. Alors. Cavalerie lourde. Mercenaires. Cavalerie. Unité. 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 Cavalerie. Unité. Tireur à l'attaque. Vite. Unité. Avancez. Avancez. Tireur à l'attaque. Alors, on va essayer de dégager vite leur archer monté vite fait, si on peut essayer, hein. Bon, évidemment, on n'arrivera pas à les choper parce que voilà. Nous aussi, on sait faire ça. Hein. Reculer, reculer. Voilà, c'est bien. On va aller chercher leur tireur déjà isolé. Oh, il y a déjà une unité en déroute là, c'est leur tireur, c'est bien. Là on a chopé leurs archers montés, ils sont en train de craquer. Bon, c'est pas mal tout ça. Allez, l'infanterie orientale ici. Allez, une bonne char, même si, bon, voilà, ils sont en déroute, c'est bien. Non, 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 t'es fou, toi. Reculez, reculez. Allez. Là, on les a complètement anéantis, c'est pas mal. On
va tenter d'abattre leur général ici. Reculer, reculer. Alors, c'est quoi ça au centre? Alors, c'est quoi qui arrive là? Oh! Bien joué! Allez, massacrez-les tous. Qu'aucun n'en réchappe. Quels ennemis formidables! La terreur les fait fuir le champ de bataille! La victoire est douce, surtout quand elle est aussi. Voilà. Voilà, les parties, ça a dû leur faire bizarre. Hein. On a reformé quelques troupes en renfort. En vrai, est-ce que je tente un assaut ou pas avec ça? Ose me dire que ça passe pas. Victoire serrée. On fait tomber Antioche, on va exterminer. Alors déjà mes chars là. Hop, je vais vous reformer. Déjà, on reforme toutes nos troupes comme ça. Et là, ça nous met un pied à terre contre les Séleucides. Là, Antioche, là, ça devrait commencer à se calmer. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qu'ils ont là? 3 unités, ouais. Là, on les met mal. Je suis votre porte-parole. Une proposition des plus généreuses. Une proposition de... On est allé avec les Macédoniens. Bonne nouvelle. Donc là, j'espère juste qu'ils vont pas nous trahir. Et là, avec nos Mercos, on va se mettre en route pour la Crète. Là, je suis content. On va faire quoi maintenant? Des archers seront utiles. Un archer monté Sigmercus. Ici. Ouais, là ça commence à être intéressant, Momon, effectivement. Comme ça, là après, je pourrais repartir peut-être à l'attaquer. Mais il y a juste lui là qu'il faut faire attention. Alors je vais juste sortir du pont 2 secondes. J'ai embarqué cette infanterie en cas de pépin. Et là je pense qu'on va tout reformer. S'il tente une attaque ici, bah ça m'arrange. Et là on pourra commencer à dérouler vers Atra. Atra et ses Lucie.
Là, il y a une autre armée qui va arriver, mais je pense qu'elle va finir comme la première. Elle va pas rien comprendre. Et je crois que je vais faire deux chars aussi. J'attends 4 tours et je vais commencer à faire ma reconquête du Caucase. Alors, que veut l'Égypte ? Salutations. Une proposition des plus généreuses. Parfait. Maintenant, on va savoir où en est l'Égypte. C'est ça juste qui m'inquiète un peu à l'heure actuelle. Ah non. Ouf. On a eu chaud. Parce que les flottes pirates, Dieu sait ce que c'est chiant. Un bon mari, vas-y. Cessez le feu effectif. Les Germanies, les Bretons, ok. Ils se contentent d'une contre-attaque. Alors, déjà qu'on a perdu des unités. Hop. Voilà. On a 3 généraux, je pense qu'on peut se mettre en route. Hein. Là, je pense que, bon, sauf catastrophe, on est à l'abri d'une mauvaise surprise. Hein. Allez, on va raser ces restants d'armée de Séleucides. Bon, juste pour le lol. Hein. On va les raser les uns après les autres. Ouais, je sais, mais c'est juste pour voir où ils en sont par rapport à la victoire courte. Parce que je te rappelle que j'ai déjà perdu une campagne aussi pire à cause des Égyptiens. Donc là, il nous reste 5 colonies à aller chercher. Bientôt 4 avec la Crète. Bon, déjà on va commencer par ça là. Allez, allez me charger le général adverse. C'est toujours de la free XP hein. Et là, avec nos points de stats, notre armure à fond, on a une bonne. Notre cavalerie du pont est très bonne. Et on les enchaîne les adversaires, on leur fout des baffes, paf, 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 paf. Il s'appelle comment? Dionysos le Conquérant, bah, il mérite bien son nom. C'est un archer, ça, ouais. Oh putain! J'ai perdu un de mes généraux, j'ai pas compris. Oups. Ça c'est le truc moche. J'ai pas compris pourquoi il s'est fait tuer, mais le truc pas de bol quoi.
Ah, en plus, c'était un autre gros général, c'est ça? Ah, ça me fait chier, mais bon, tant pis. Et là, j'ai rajouté une unité de... Hop. Bah, je pense qu'on va se mettre en route pour Atra. Hein. Bon, on va faire gaffe. Ouh, attention ici. À... Ah oui, il y a encore toutes ces villes-là. Hein. En vrai, je suis prêt à tenter un pari. C'est assez couillu. C'est que si je prends ces villes-là, je les rends à l'Égypte. Comme ça, là, il va m'apprécier. Moi, je pourrais continuer à tracer tranquillement vers, vers l'Est. Hein. C'est risqué, mais ça peut être tentable. Bon, il n'y a personne ici. Je vais juste... Voilà. Bon, c'est les Mercos qui ont pris un bon. On va les dégager, les Peltas déjà. On a un hôtel de Aphrodite, on s'en fout. On va faire quoi? Bah, des Pégus. Un bonus d'ordre, des routes. On va faire la totale en Crète. Allez, plus que 4 colonies, les gars. 4 colonies. On va sauvegarder. Et ils doivent commencer à s'inquiéter, hein, nos ennemis. Oh, ça c'est chiant, la luminosité, des fois tu sais pas pourquoi. Je vais faire une tour là, j'essaie de suivre les conseils de mon bienveillant modérateur. Là, on va se mettre en route pour Atra. Voilà, c'est très bien. On va peut-être aussi raser cet hôtel de... C'est quel hôtel ça? Du Dionysos. Je vais faire aussi une place des exécutions si jamais j'ai commencé à tirer. Eh ben voilà ce qu'il nous faut, des phalanges de piquet long. On va en faire quelques-unes. Pour la défense, ça aura son utilité. Et je vais envoyer quelques renforts ici. Et derrière, je vais refaire des troupes. Bon, faut qu'on continue de développer nos infrastructures si on va avoir nos chances. Alors, Antioche, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Cavalerie de Cappadoce, c'est quoi ça? Ah, ça met deux tours, ok. Ça pourrait être utile, tu me diras. Par contre, il nous faut aussi de la bouffe. Juste par curiosité, je vais aller explorer Sparte. Attends, il n'y a plus rien à Sparte, quasiment ? Eh, hey, attends. Navire, paré, paré à manœuvrer. Navire, paré. Oh, regardez ça. Il y a un coup à faire en Grèce. Il y a un coup à faire en Grèce. On va récupérer Sparte. Et Corinthe, comme ça, Corinthe, on n'aura pas besoin de... La chance nous serait pour récupérer une quatrième merveille, on va le faire tout de suite. Puissant général.
Et je vais continuer d'envoyer mon espion jusqu'à l'autre bout du monde s'il le faut. Alors. Justement, c'est ça que je veux faire, Momon. Puissions-nous parler de manière heureuse ? Non, 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 tu vas. On va t'enterrer, mon pote. Mais quand je te dis on va t'enterrer jusqu'au bout. T'as voulu faire ton malin, maintenant tu vas payer les conséquences. Il est Sparte sans défense, sérieusement, les gars. Bon, on va se mettre là. On va prendre cette Caris Armate pour renforcer nos rangs. On est d'accord que là, ça, il y a un retournement de situation qui s'opère. Alors attends. Pressez-vous. Notre patience a des limites. Alors t'as quoi là-dedans, toi? Ouais, t'es une bonne petite garnison, hein. Ok, au prochain tour, on verra ce qu'il y a, c'est du type. Oui, des armées partent pour y surgir. Bon, là, j'ai fait exprès de mettre des tours. Alors, attention. Ah, oh, le général tout seul, attention. Voilà. Là, je pense que c'est plutôt pas mal. Tu parles des tours des montagnes ici, Momon, ou d'ailleurs? Ou genre vers tout ce qui mène vers la Bactrie, tout ça? Aïe, 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 là il va y avoir une révolte, je l'ai oublié. Par contre, ils sont vénères, mes citoyens. Je sais pas ce que je peux faire pour vous calmer, mais... Salle d'exécution, ça aura son utilité. Bon, là, on va baisser les impôts. On va les mettre en normal. On va faire un temple. On va améliorer les murs. Et on va renforcer nos rangs ici. Un temple de Zeus au niveau supérieur à Rhodes, ce sera pas de refus non plus. Et un Pégu. Par contre, on va faire gaffe. Sparte et Rhodes, les Sparte et Corinthe, ce sont nos prochaines cibles, je vous l'annonce. Ouais, lui, on va, le premier mouvement, on le fait rentrer. Aïe. Ah, mon invasion va prendre du plomb dans l'aile. Donc toi, tu vas tout de suite rentrer. Parfait. Le Cilicien, on va le dégager. Il a fait son temps. Là, on a deux piquets supplémentaires. On va faire quelques javelots supplémentaires. Et deux archers, alors, ils seront bien. J'ai sauvegardé quand même avant. Est-ce que Atra tombe? Atra tombe, on n'a pas eu tant de pertes, 106 pertes. On extermine parce que voilà. Ok. Et je vais faire un piqué juste pour compléter. Alors, ma flotte, elle est où, là? Je crois qu'on va renforcer notre flotte ici. Je vais rajouter un autre archer dans le doute. Et là, il faut qu'on continue de développer notre cité. Hein.
va développer la ville au niveau 4 là. À Lycarnas, on est en train de tout bâtir. À Rhodes, ça se passe plutôt bien, mais je pense qu'on va améliorer ça. À Sardes, on va agrandir notre cité. On va faire une autre unité d'infanterie. Le mercenaire Thrace, là, on va le dégager. Je vais faire deux Peltasts à terme. Une fois qu'il y en aura un qui sera fait, ça se passera bien. Et lui, notre espion, continue de l'avancer. Oh, mais il y a du peuple ici. Oh, ils commencent à former de la cavalerie perse, ça c'est dangereux. Ok, on va se mettre tout de suite, dès qu'on aura reformé nos troupes, on va se mettre en route. Alors, je vais juste vérifier un truc. Non, je peux rien recruter. Wesh Marvin, comment tu vas? Bienvenue sur la campagne du pont. Ah, tranquille, je te remercie. On avance tranquillement. On a eu un moment difficile, mais là, petit à petit, on reprend de l'avance, on va dire. On essaie de repousser nos ennemis, une coalition. Alors, Scythe, Séleucides et Parthes. Là, mon but, c'est avec cette campagne aussi, c'est de faire de la campagne, enfin, d'avoir avec cette campagne toutes les merveilles du monde. Je ne sais pas si je les ferai en stream. Là, actuellement, j'en ai 3. J'ai bah, les trois proches, hein, donc Temple d'Artémis, Mausolée d'Aïcarnas et le Colosse. Là, je suis en route pour essayer d'aller me chercher la statue de Zeus à Olympie. Parce que je veux que je suis allé avec les Macédoniens et malheureusement, les Grecs ont. Malheureusement ou heureusement, tu te feras ton opinion. Les cités grecques ont récupéré ces deux villes. Bah, et moi, du coup, j'essaie d'en profiter. Il me reste encore 3 communautés, je peux gagner. Et après, il faudrait que j'aille débarquer en Égypte, chercher les dernières, quoi. Ouais, graphiquement, c'est une tuerie, franchement, rien à dire. Et d'ailleurs, dès que je referai une campagne après celle-là, enfin, je sais pas si je la ferai tout de suite, parce que j'ai un programme chargé, vous savez. je vais faire une campagne, je pense, avec l'Egypte. Je pense que la prochaine campagne que je ferai sur Rumble Master, ce sera la victoire courte avec l'Egypte. Comme ça, là, je vais faire mon tour du monde, hein. Je rappelle que j'ai commencé avec les Scipies comme ça. Ensuite, je suis parti avec les Scythes, bon, là-bas. Je suis allé dans le nord avec les Britons, et là je suis en Orient avec eux. Par contre, moment pour Dune, hein, je garantis pas de faire quelque chose, hein, je préfère te prévenir. Dune me plaît, mais je garantis rien. Ouais, bah, je fais pas de commentaires sur ça, Mythe, tu sais. Alors, on va tout de suite refaire un temple. Alors, un temple de Zeus sera très bien. Tu fais la campagne, donc, Crusader. C'est l'extension Crusader, c'est ça? Avec le royaume de Jérusalem, d'Antioche, les Turcs et l'Égypte Fatimide. Ouais, très bonne extension. Hein. Par contre, mon gars, si ça, c'est tout ce Medieval 2 est remasterisé sur PC un jour, mamma mia. Un petit char pour la terreur. En vrai, là, j'attends juste mes deux autres chars, là, comme ça, je vais pouvoir récupérer Kotaïs. Ah, monsieur a fait des bonnes choses. Ah ouais, avec Venise et tout, ouais, ça devait pas être de la tarte, à mon avis. Oui, seigneur. Bon, allez. Allez, celui-ci me bloque, ça pue. Les armées partent se replient. Enfin, une armée s'est repliée, pas la deuxième. Et il commence à me poser des problèmes là avec toutes les flottes. Oui, seigneur. Ah, ils ont déjà leur fameux navire là. Oui, seigneur. Préparez-vous. Navire paré. Impossible. Préparez-vous. Voilà, bien joué. Nous avons oui, seigneur. Gagné. Oui, seigneur. Navire paré. Comme ça, au prochain tour, on reforme tout.
À Pergame, on est en train d'essayer de sauver l'ordre public comme on peut. C'est galère, mais bon, on fait au mieux. Et là, je vais commencer à partir avec tout ça, sauf... Alors, déjà... On va reformer ces trois là, on va rajouter une cavalerie. J'ai comment envoyé cette infanterie comme ça, là on va pouvoir... Là, bon là on peut se faire cette armée, après peut-être qu'on... celle-ci du type va vite tomber. Toi... Là, j'ai bien fait de tout laisser là. Oui, seigneur. Navire, paré. Je vais tenter de m'infiltrer en... dans la cité de celle-ci. Ouais, bah, on arrive à la fin, Marvin, progressivement. Alors, je sais pas si on la terminera dans cet épisode, dans cette VOD là ou dans la prochaine. Mais pour moi, là. Ah, ok, ils sortent, ils attaquent là. Bon, au moins ils se déplacent. Ok, ils attaquent pas de tous les coins maintenant. Mais bon, globalement, ça c'est plutôt cool. On est plutôt bien, on a beaucoup d'argent. Alors, mon espion, ou 9%, on va éviter. Alors, attention, on va faire une tour là. Ah, je peux recruter une infanterie, bah on va l'embarquer. Alors, les parts et les pseudocytes, toujours ces mêmes. Je vais faire une sauvegarde, je vais voir ce que ça donne niveau résolution auto. Égalité, ça me plaît moyen. Certains disent ouais t'aurais pu faire la bataille. Moi je le joue à ma sauce. Bon, ok. Ils ont beaucoup de peltas, mais globalement je pense que c'est gérable. Ils ont juste le charsi qui m'inquiète un peu. Alors là-bas, admettons. Bon là je vais la faire celle-là. Parce que c'est du part, et du part c'est bon à dégommer. Pharnacès de Laodekia. J'ai un char, j'ai des javelots. Les fameux pyjamas, vous savez. De Pâques, ça se passe comment les gars? Bon, il nous reste encore demain, vous me direz, mais... On va tenter de les harceler. Quelle idée de laisser son général comme ça? Bon, c'est bien, hein. Allez, c'est l'heure du fauchage. Parfait, très bien. Il refuse l'affrontement et prend la fuite. Est-ce vraiment la peine de le tuer? Il se replie sérieusement, bon c'est bien. Parfait. L'ennemi a été tué. Voyons ce qu'il reste de courage dans le cœur de ses soldats. Allez hop, deux unités de lancer en moins. Voilà. La victoire est douce, surtout quand elle est aussi indiscrète. Rien que pour rigoler. Tiens, pour rigoler, j'ai les orphelins qui me livrent à 7h26, bien sûr. Donc je dors, mais bien sûr, j'ai déjà cherché Colin King, lui, qui a changé d'adresse. Oh putain.
C'est pas mal, j'avoue, comme histoire. L'armée est repartie, on n'a eu aucune perte, ça c'est bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Je pense qu'on va passer au mur hein, de pierre là. On va améliorer ici, on a de l'argent, on va faire la mine. 350. Là, on va continuer de renforcer notre garnison. J'ai rajouté un deuxième piquier, une autre cavalerie et deux archers déjà. Alors, par là, ça donne quoi? Bon, bah, c'est cool. Allez, on se tente la sortie en tioche. Avec la carrière lourde du pont, hein, je rappelle. C'est une première qu'on ouvre à 7h. Ouais, j'avoue, 7h, 7h, ça fait tôt. Hein. Enfin, 7h30. Oh. Sinon, Marvin, tu as vu la nouvelle extension sur Edge of ou pas du tout, si t'es encore là? Ah, on a des murs, c'est bien. Général. Cavalerie lourde. Cavalerie lourde. Unité. Unité au front. Unité au front. Unité. Alors, c'est quoi ça? Unité. Unité chargée. Allez, ce bleu. Hop, le peltas là, c'était gratuit. Attends, attends, on va pas faire de conneries. Alors on va voir un peu les piquets. Oh, ils sont classe les piquets du pont. J'ai regardé une stat aussi pour Rome Remaster. Alors je sais pas si sur notre c'est sur, ça concerne le succès. Hein. C'est le total heure historique. Parce que bon, qu'on le veuille ou non, Rome 1 c'est un historique, hein, on va pas se le cacher. C'est le Total War qui a le plus de succès. Attention, reculer. On a les chars, on va les faire dégager. On a perdu quelques cavaliers dans l'affaire malheureusement. Attention ici, hein. Il y a l'éléphant là qui est en train de se pointer. Attention, attention. Non, 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 non. Bon, c'est bien, ils sont partis là. C'est bon, les éléphants là, on les reverra plus ceux-là. Ouais, il y en a. Bah, j'en ai encore 160 à aller chercher, quoi. Attention, reculer, reculer. On va essayer de jouer là-dessus, hein. Échapper balle ici au char. Avancez à marche forcée. Unité, unité, unité. Ouh. Général. Unité. Général. Unité.
Attention ici. Il y a le char là qui... Il y a encore ces chars. Hein. Hop, on replie, on se barre. Bien joué. Ça fait encore une unité qui vient de tomber. Putain. Oh, les chars, ils ont été vénères. Attention, reculer. Alors, attends. Attends. Approche. Approche. En fait, je vais attendre le moment où on se mette en position de tir et là, je vais les charger. Il y a encore la cavalerie grecque là. Attends. Allez, go, go, go. Est-ce qu'ils vont venir ? Allez, ce bleu, ce bleu, ce bleu. Voilà, c'est toujours une unité en moins qui reviendra pas. Allez, c'est ça, barrez-vous, revenez pas. C'est quoi ça? Ah bah il y en a... Non, 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 attention. On a un autre là qui se pointe. Ramène-toi, ramène-toi. Go. Recule. Bien joué. Oui, oui, c'est pour ça, Momon, ça compte. C'est pas mal du tout comme ça. Alors, il nous reste quoi à aller chercher là? Ils ont encore leur tireur monté là. Je vais sortir mes piquets longs. Donc la vedette va dépasser un peu, hein, désolé. Ah, oh, ils se sont mis là. Oh non, 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 ma cavalerie, non. Votre général a choisi la couardise. Oh là là. La fuite. Comment des soldats peuvent-ils se battre au nom d'un tel poltron? Ah, oula, on a eu chaud à nos fesses. Bon. Oh, le truc sévère là. Ah, le truc un peu greedy, mais bon. Bon, globalement, ça va. On a réussi à quand même à bien amoucher leurs troupes. Attendez, je vérifie que tout le monde est rentré. Inégalité. Bon. C'est pas mal quand même, on a réussi à moucher certaines de leurs unités. On va faire des renforts. Hein. Je vais me mettre en renfort. Est-ce que je peux recruter des Mercos? Ouais, toi tu viens. Par contre, là je vais recruter un autre, une autre cavalerie du pont. Il faut que j'amène ces renforts à Antioche. Hein. Ah, il y a une autre armée qui se pointe, attention. Bon, je vais juste alors. Je vais juste passer le tour. Je vais ramener ma flotte là.
La Gaule n'existe plus. Bon, ok. Pour 9%, c'est quoi ça qui arrive? Ou c'est vénère ce qui arrive là. J'ai juste posé mon siège. Il y a deux arches, il y a plusieurs archers montés là, attention. Pressez-vous, notre passion. Je te propose là un cessez-le-feu, non tu veux pas. Oh, l'immense armée là qui arrive. C'est du trash, mais bon. Oh, il y en a une deuxième. Oh, le séducide est en train de reprendre du poil de la bête. Attention. Alors, toi, tu vas partir. Allez, dernier tour. Oh non, mais il faut qu'ils arrêtent de marceler là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ça, il a rapproché ma flotte de l'endroit que je voulais. Bon, on va tenter. Je vais enregistrer le fait que j'ai essayé aussi du Tibre. Ouf, ouais. Et là, désolé. Nous avons les jardins de Babylone, mesdames et messieurs, qui accordent 20% de bonus aux revenus agricoles dans toutes les communautés. Ce qui nous fait 4 merveilles sur les 7. 4 merveilles sur les 7. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire des chars Vérifier les autres factions au niveau colonie. Je pense qu'à mon avis, avant d'arrêter, c'est l'Égypte qui va être deuxième. Hein. Et de toute façon, si je récupère les merveilles de l'Égypte, il va falloir que je les tape tôt ou tard. Alors, déjà, toi, tu vas rentrer. Tu vas m'embarquer ça. J'ai embarqué ce fondeur avec moi. Tu sais quoi, on va embarquer toutes les troupes là. Ah, la Macédoine est en train de tenter un siège. Ah, ils ont récupéré Scorin, dommage. Au prochain tour, on les assiège. On va essayer de tomber Sparte avant, faire tomber Sparte avant eux. Ah, ils se sont repliés. Bon, très bien. Bon, vous savez quoi, YouTube, on va s'arrêter là. La vidéo était un peu plus longue que prévu, mais j'espère que ça vous a plu quand même. On se rapproche de la fin de campagne, donc on a quasiment toutes nos objectifs. On va devoir faire gaffe parce que, à mon avis, on va avoir des complications qui vont pas tarder. Je vais faire un peu de carré sarmate ici. Le Cappadoce, on verra ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. YouTube, des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.